Eh bien, bienvenue sur Téléfouille Merde. Nous sommes donc au festival Festiplume, le premier du nom. Et nous avons ce soir en notre compagnie un des rodes de ce festival. Et il s'appelle Phil Rode. Phil Rode, justement, ça ne s'invente pas. Et donc, il va nous faire part un petit peu de cette organisation qui, à mon avis, a été un petit peu difficile, mais qui, malgré tout, commence à s'achever et à prendre forme. Phil, vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. Very, very difficult. Ils viennent de Roumanie, ils portent les caisses avec les roulettes, et très lourd. D'accord, très lourd. Très lourd. Qu'est-ce qui a été le plus lourd là pour les groupes jusqu'à présent? Le plus lourd, c'est d'accepter les moules frites à midi, moules frites hier soir et moules frites hier matin. D'accord. Est-ce qu'on vous a servi de la Ligo? Parce qu'il paraît que vous détestez ça. Je ne connais pas la Ligo de Roumanie, je ne connais pas. Hein. Ah mais c'est vrai qu'on n'est pas en avion, on est dans l'Aude ici, excusez-moi. Il y a une petite erreur sur Téléfouille Merde. Et donc, vous allez préparer le matériel précisément des nouveaux-nés, paraît-il. Les nouveaux-nés, oui. Oui, on m'a dit, j'ai la liste, les nouveaux-nés, après Bips, nouveaux-nés. On m'a dit que c'était des gros connards. Très exigeant. Non, petit. Petit connard. Petit. Et vieux. Petit vieux. Eh bien écoutez, Phil, on vous souhaite une bonne soirée. Travaillez bien. Parce que ma femme, ma famille, elle voit que je suis venu en France pour travailler. Que je travaille. Hein. Merci. Hein. Alors à ce sujet, est-ce que vous êtes déclaré ce soir? Est-ce qu'il y a des feuilles de paye? Je ne peux pas répondre à cette question. Je m'excuse. C'est pour Téléfouille Merde, Phil. Phil, revenez. C'était Jean-Luc Assec pour Téléfouille Merde, merci, à très bientôt.